la première étape, c'est déjà d'aller enregistrer des photos, des images donc, sur l'hébergeur. Alors l'hébergeur, c'est list.prestigex.net. L'identifiant, donc, c'est Filmat, est ici. Et le mot de passe, c'est tout simplement 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je vais répéter. Et normalement, je vais arriver donc, sur mon compte avec les albums. Voilà. Donc, là, j'y suis. Je suis bien identifié. Et là, si je vais voir donc, mes albums, étant donné que c'est un nouvel album que je vais créer, parce que je crée un album pour chaque personne. Donc je vais aller créer cet album. Alors le nom de l'album, c'est le nom donc, de la personne, c'est-à-dire le nom de référence que je vais lui donner. Alors pour le nom de référence, moi j'ai choisi un système, tu choisiras un autre si tu veux. Moi j'ai tout simplement pris donc, l'année, c'est-à-dire ici 11, parce qu'on est en 2011, donc c'est l'année d'enregistrement. L'île sur laquelle se situe la maison, donc ici c'est Ryan Théa, donc je mets A tout simplement, donc les deux premières lettres à chaque fois de l'île. Et puis, je termine par la date à laquelle j'ai rentré la maison. Donc aujourd'hui, nous sommes le 22 avril, donc je mets 04-22. Voilà, pas de description particulière. Je fais donc créer album. Donc si tout se passe bien, je vais avoir mon nouvel album qui va être créé. Donc je vais pouvoir aller maintenant que mon album a été créé, je vais pouvoir y aller dessus. Donc ici je vais aller sur mes albums. Et je vais donc rechercher maintenant dans la liste de mes albums, mon album que je viens de créer. Donc il doit être sur la deuxième page. Donc le voilà, logiquement c'est le dernier. Donc j'ouvre cet album là et c'est sur cet album que je vais maintenant aller enregistrer les images qui correspondent donc à cette annonce. Donc on me dit envoyer des images ici. Voilà, donc là je vais sélectionner à chaque fois l'image, donc le voilà, donc ici la première, je vais ouvrir, la seconde donc pareil, et la troisième pareil, voilà, et là je fais envoyer les images et j'attends que ça télécharge. Voilà donc pour cette première étape.